c'est Melinda et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais faire un FAQ spécial 500 abonnés. Donc j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve avec la suite. Donc c'est parti avec la première question. Première question, c'est quand ta prochaine compétition? Ma prochaine compétition, c'est le 27 janvier. Donc c'est Bruxelles Cup, c'est mon club qui l'organise. C'est en division 1. Je vais faire un vlog, donc ce sera mon premier vlog. Donc si vous voulez voir comment ça se passe, les compétitions en division 1, regardez mon vlog. C'est quoi ta coupe préférée? Donc ma coupe préférée, c'est celle que j'ai gagnée en Pologne. Donc voilà, donc c'est ma préférée, je trouve qu'elle est spéciale et qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Troisième question, as-tu un amoureux? Donc non, j'ai pas d'amoureux. Quatrième question, c'est quoi ta prochaine vidéo? Donc ma prochaine vidéo, ce sera un tuto souplesse arrière. Pourrais-tu faire un tuto pivot? Oui, je vais faire un tuto pivot, ce sera une des prochaines vidéos. Pourrais-tu faire... Tu as quel âge? Donc j'ai 11 ans, 11 ans et demi, presque 12 en juillet. Combien d'heures tu t'entraînes? Je m'entraîne plus ou moins 24 heures. Je m'entraîne le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi matin et le dimanche toute la journée. Comment as-tu fait pour être en division 1? Donc je me suis beaucoup entraînée. J'ai aussi... D'abord c'était en loisir, donc j'ai été en division 3. Là j'ai été plus ou moins 2 ans et puis j'ai fait des bons résultats, donc j'ai pu aller en division 2. J'ai fait des bons résultats toute la saison et il y avait championnat de Belgique où j'ai été première dans ma catégorie en division 2. Et c'est grâce à ça que j'ai pu passer en division 1. C'est quoi ta compétition préférée? Ma compétition préférée, c'était Pologne. C'était ma compétition préférée, vu qu'après la compétition, on pouvait aller à la piscine avec toutes mes amies. Et c'était un pays où j'avais jamais été. Quand as-tu commencé la GR? J'ai commencé la GR à 7 ans, en loisir. Les coupes sont destinées pour la compétition prestigieuse où c'est les organisateurs qui décident de donner une coupe ou médaille. Donc ça dépend vraiment, c'est tout le temps les organisateurs qui décident, mais ça dépend, c'est des fois qu'une médaille, des fois c'est une médaille et une coupe, des fois c'est qu'une coupe, des fois c'est une coupe pour première, deuxième et troisième, donc ça dépend vraiment des organisateurs. D'où viennent tes tuniques? Mes tuniques viennent la plupart de Moldavie, mais j'en ai aussi prise d'occasion à chaque compétition. Ça fait combien de temps que tu fais de la gym? Donc ça fait 4 ans et demi, presque 5 ans. Pourrais-tu faire une vidéo souplesse arrière? Donc oui, je vais faire une vidéo souplesse arrière, ce sera ma prochaine vidéo. Quelle est ta gymnaste préférée? Ma gymnaste préférée, c'est Dina Averina. C'est la championne du monde. Donc moi, elle est vraiment incroyable. Si vous voulez aller la voir, je vous mets le nom ici. Sur YouTube, il y a tout plein de vidéos sur elle. Elle est vraiment magnifique. Dans quelle catégorie es-tu? Donc je suis catégorie A, donc division 1. As-tu un Instagram et un TikTok? Donc oui, j'ai Instagram et TikTok, je vous mets mon Instagram juste ici et mon TikTok juste là. Tu habites où? J'habite en Belgique, à Bruxelles. Vas-tu faire une vidéo, toi vs Anna McMulty ou Sophie Dossi? Donc oui, ce sera une de mes prochaines vidéos. Tu as combien de frères et de sœurs?
Donc j'ai une petite sœur qui a 6 ans et un petit frère qui a 9 ans. Vas-tu faire d'autres tutos? Donc oui, je vais faire le tuto souplesse arrière, le tuto souplesse avant et encore tout plein. Donc voilà, le FAQ est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, merci à tous de vous être abonnés à ma chaîne pour les 500 abonnés. Donc maintenant, le prochain objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est très important. Commentez, partagez, likez et surtout activez la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. Allez, clique sur ce bouton pour t'abonner à ma chaîne. Allez.